d'enfer. Je t'ai dit plusieurs fois de ranger tes affaires de plage. Tu sais bien que c'est la rentrée demain matin. Oh, mais je n'ai pas envie de retourner à l'école. Je te conseille de sortir tes classeurs et de te préparer. Oh. L'école, les classeurs, pourquoi? Pourquoi quoi? Tu es prêt à reprendre les cours? Ah, tu vas pas t'y mettre. Quoi? Hé, regarde les tables d'algorithmes que j'ai imprimées, Zach. J'ai pris de l'avance sur le programme. Je suis impatient de les essayer. T'es vraiment démoralisant, Jeff. C'est impossible d'être impatient de retourner à l'école. Oh, je trouve ça contre nature. Oh, bonjour, Jeff. Oh, j'adore ton système d'onglets en couleur. Belle organisation. Voilà ton emploi du temps pour la semaine. J'ai créé un nouveau système de rotation des tâches. Maintenant, on va enfin pouvoir reprendre notre routine quotidienne. Emploi du temps? Routine? Non. Grasse matinée? Détente? Ouais. Voyons, Zach, sois réaliste. Chaque jour de l'année n'est pas un jour de congé. Ferme la porte. Ce sourire en coin ne me dit rien qui vaille. Montre-moi ce que tu fais. J'effectue juste quelques recherches. Reste cool, Raoul. C'est facile à dire pour toi. Tu griffonnes un petit croquis et moi, j'ai plein d'ennuis. Cet appareil n'est pas entre les bonnes mains. Si moi... Oh, 290 000 résultats de recherche. C'est délirant le nombre de jours fériés qu'il y a dans le monde. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je vais faire un dessin amusant. Non! Donne-moi ça, Zach! Il faut vraiment que t'apprennes à rester relax, Max. Qu'est-ce que tu viens de faire? T'en fais pas, tout va très bien. Sans rire, Jeff, il faut que t'apprennes à rester relax. Mike Palmer, descends immédiatement! C'est moi qui contrôlerai vos performances d'acteur. Je commence immédiatement, capitaine. Capitaine, mais à qui s'adresse-t-elle? Faut te mettre à turbiner, moussaillon. On a un jour férié à célébrer avec panache. Un jour férié? Super! Qu'est-ce qu'on fête, capitaine? Zo d'abord, matelot! Aujourd'hui, c'est la fête des pirates des mers! Fabrique des chapeaux pour tout l'équipage avant le coucher du soleil! Ah, Eric, je te nomme organisateur des jeux et des sports! À vos ordres, capitaine! À qui le tour de brosser le pont du navire? J'ai déjà des bicornes en papier à faire. Reviens ici tout de suite, espèce de corsaire d'eau de baignoire! La fête internationale des pirates des mers, c'est vraiment la meilleure. C'est pas un jour férié officiel. Le Pagix fonctionne mystérieusement, matelot. Mais peu importe, tant que ça nous évite de retourner à l'école, je dis... On les voit, les mettons le cap vers l'inconnu. Dégagez le pont, moussaillon. Je dois mettre en route le programme. C'est la fête. Salut, Jeff. Salut. Joyeux Saint-Patrick, les garçons. Que la chance des Irlandais vous sourie. Rien de tel qu'une petite gigue pour ouvrir l'appétit des lutins. Merci, Madame Palmer.
Navré de déjeuner si vite, mais je dois aller à l'école. Oh, y a pas école aujourd'hui, Farfadet, c'est un jour férié. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les congés? On passe de bons moments avec ses proches. Mais on devrait aller un peu à l'école, c'est pas... Je t'ai dit que le Pagix fonctionnait mystérieusement, alors relax, t'as juste à tourner les pouces. Bah, c'est pas tout à fait vrai, il va falloir faire toutes les décorations. Oh, encore des décorations? Des trèfles dans toutes les pièces! Bon sang, ta mère prend les fêtes annuelles très au sérieux. Ouais, musique, danse, théâtre, on fait la totale. C'est la tradition familiale qui veut ça. Tu devrais prendre quelques notes. Je le ferais si j'étais à l'école. Ah, détends-toi et fais du pliage, on a des trèfles à fabriquer, Farfadet. Joyeux Hanouka! Poisson d'avril! Joyeux Noël! Mes parents restent chez ma grand-mère jusqu'à la fin des vacances. Cool! J'ai convaincu ma mère de me laisser ici pour célébrer les fêtes avec vous. Ta famille sait vraiment s'amuser. Ouais, c'est perpétuellement la fête chez nous. Voyons voir. Maman a dit que la fête de demain était mexicaine. C'est très juste, señor. On n'est peut-être pas libre, mais il nous reste les tangos, non? Para-tac-tac-tac-opo. Para-tac-tac-tac-opo. Oh! Ah! Viva la liberté! Génial! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui déjà? Fête nationale mexicaine, je crois. C'est un jour qui mérite une célébration! Ouais, c'est ton droit de le penser. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'une pause. Toutes ces célébrations sont vraiment fatigantes. Ouais! Hop, 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 hop! Vous savez vraiment faire la fête dans cette famille! Ouais, tu as remarqué. Lancez d'œuf! Tu vois, c'est comme si je découvrais un tout nouveau moi. Et en plus, je suis devenu amusant. Lancez d'œuf. Non. Ouvrez vos becs. Pâques, c'est ma fête préférée. Allez, saut de la part. Hop, 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 hop. Oh, œufs de Pâques à gogo et sautillement de lapin dingo. Mauvaise combinaison. Où est Zach? Il manque un lapin dans notre terrier. Zach, ce n'est pas une fête de famille sans toi. Oh, j'en ai vraiment assez. Il va falloir que je fasse quelques modifications. Viens vite nous rejoindre, on s'amuse comme des petits fous. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ces fêtes qui se suivent commencent à me taper sur les nerfs. Tous ces moments en famille vont me faire craquer. Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? On ne s'amuse jamais comme ça dans ma famille, Zach. C'est facile de voir tout en rose vu que c'est pas ta famille, Jeff. Attends une petite seconde. Il me faut une pause. Et puis tu disais que tu voulais reprendre l'école, tu te rappelles pas? Mais à présent je m'éclate, je fais la fiesta constamment, d'accord? T'avais bien raison, j'avais besoin de me détendre et d'apprendre à faire la fête. C'est très bizarre, mais je commence à trouver que la rentrée des classes, c'est pas si mal. Non, pas tout de suite. Laisse-moi une petite fête, je t'en prie. Je ferai tes devoirs pendant tout un mois, Zach. Bon, d'accord, mais seulement une de plus et c'est fini. Hop, 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 hop. Je t'ai vraiment mis KO avec cette prise. Je crois que c'est la meilleure fête de toutes. Maintenant, écoutez-moi, karatéka. On va achever cette journée des arts martiaux japonais avec un grand concours de cassage de briques comme le faisait Bruce Lee. Alors, 20 minutes d'échauffement.
Trouve un partenaire et échauffe-toi, Zach. Ça fait des jours et des jours que je mange, que je danse et que je fais des décorations. J'ai juste envie de faire une toute petite pause. N'oublie pas, une famille qui s'amuse ensemble reste unie à vie. Allez, alignez-vous. Le championnat de cassage de briques est ouvert. Moi d'abord, Eric. Moi d'abord. Je dois vite faire quelque chose, sinon je ne survivrai pas à cette fête. Où est mon Pagix? Bravo, Jeff. C'est quand même pas Jeff. J'ai réussi. J'ai réussi. Ouais. Vive moi, j'ai réussi. Où est mon Pagix, Jeff? Pagix? Quel Pagix? Je vais t'expliquer, Zach. Donne-moi vite mon Pagix. Lâche-le. Non. Toi, lâche-le. Lâche pas, Pagix. Lâche pas maintenant, t'es pas cassé, hein. Tu peux pas être cassé. Est-ce qu'il marche encore? Est-ce qu'il a l'air en état de marche? Non. Oh non, c'est impossible. Mon Pagix n'est pas fichu, je rêve. Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. C'est seulement mon bien le plus cher auquel je tiens, plus qu'à la vie elle-même. Ça, c'est grave. Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour nous si je peux pas faire de dessin pour sortir d'ici? Des fêtes super pour le reste de nos jours? Non. Non, Jeff, pas des fêtes super, des fêtes de famille pour le restant de nos jours. Une célébration chaque jour de l'année. Allô? Allô? Rien ne fonctionne. Mais ta famille est géniale. Ouais, elle est géniale, mais j'ai besoin d'une pause. Je vais dire un truc qui va t'étonner, Jeff. J'ai besoin de retourner à l'école. Mais mon Pagix est fichu et je suis piégé dans une dimension où on passe notre temps à faire la fête. Oh, essaie de te détendre un peu, Zach. Comment peux-tu vouloir aller à l'école alors que tu peux faire la fête? Tout ça, c'est de ta faute. J'aurais pu nous sortir de cette histoire il y a des jours. Mon pauvre Pagix. Regarde-le, tu dois m'aider à le réparer au plus vite. Et le casseur de briques qui repart avec le trophée est... Jeff! Oh! J'ai gagné! J'ai mérité un trophée! Jeff, t'es mon seul recours, reviens s'il te plaît. Vous voulez que je casse autre chose en deux, Madame Palmer? Amène-toi, Chester, essayons de nous sauver avant qu'on devienne cinglés. N'importe quoi, je sais pas du tout comment le réparer. J'ai besoin de Jeff. T'as manqué la journée de la gymnastique rythmique. Oh, je m'efforçais de réparer mon Pagix. J'ai mis au point un enchaînement d'enfer. Je peux te l'apprendre. J'ai plus de place normalement. Je me moque de ton enchaînement, Jeff. Je sais pas réparer le Pagix. Tu es le seul à pouvoir le faire. Ouais. C'est hors de question. Il faut que je répète mon rôle pour la pièce de Noël. C'est mes débuts de comédien. Jeff, reprends-toi. Y a pas que la fête dans la vie, tu sais. T'as dit Noël, n'est-ce pas? Selon le calendrier de ta mère, on célébrera Noël demain. J'ai vraiment hâte d'y être. Non! Noël ou pas, j'ai toujours besoin de ton aide. Je le réparerai après avoir ouvert mes cadeaux. Je t'en fais la promesse. Jeff, reviens! Zach, est-ce que c'est toi? Il faut que tu commences à préparer les décorations de Noël.
Essaie de mettre plus d'émotion dans ton rôle. Il fait froid, ton traîneau est tombé en panne et tes rennes se sont enfuies on ne sait où. Alors, comment est-ce que tu te sens? Stupide? Non, en tant que Père Noël, qu'est-ce que tu ressens? Oh, j'en ai plein les bottes et j'aimerais faire la fête au lieu de faire ça. Exactement! On reprend du début. Noël, 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 la nuit est belle, belle, belle. Mais qu'est-ce qu'on gèle, gèle, gèle? Oh, bon, j'ai besoin d'une pause. Hein? Ah! Bonne fête de fin d'année à vous aussi. Tcha 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 barabadou barabdou dabdou dou dou dou. Ah, wouhou. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'il y avait une fête dans le garage? Je te croyais en répétition pour tes débuts de comédien. Je répéterai mon texte plus tard. Ouh, tcha 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 tcha. Mais y a personne ici. Tu m'as tendu un piège. C'était la seule façon de te faire venir ici pour que tu m'aides. Déverrouille cette porte. Avant, tu dois me promettre que tu répareras le Pagix. Mais c'est la veille de Noël. Je ne fais aucune réparation pendant les fêtes de Noël. Je t'en prie, réveille-toi. C'est pas vraiment Noël, compris? C'est à cause du Pagix, tu te rappelles? Une fête chaque jour de l'année. Et si je répare ton Pagix, tu me laisseras reprendre mes activités? Oh, bien sûr, c'est promis. D'accord, je réparerai le Pagix. Si je fais ça, c'est pour ton bien, Jeff. Tu ne peux pas me forcer à réparer le Pagix. J'ai le droit de faire la fête. Je suis en train de te faire ta fête, tu vois. On s'éclate. Et tous les Noëls devinent un peu ce que je ne manque jamais de faire. Fermer un pauvre gars à lunettes dans ton garage et de l'étouffer en appuyant trop fort sur sa gorge. Non. J'adore faire une rétrospective de toutes les choses que mon copain et moi on a faites durant l'année. À toi de jouer, Chester. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens la fois où tu as dû réparer la télé parce que j'avais joué au ballon à l'intérieur? J'oublierai jamais ça. Ça m'a pris au moins 9 heures pour remplacer les convecteurs de plasma. Ah, inoubliable. Oh, je me souviens de ça. Tu avais massacré ton ordi. J'avais renversé du jus de fruits sur le disque dur. Et t'avais essayé de le nettoyer avec une éponge. Il a fallu que je reformate le disque dur et que je nettoie le clavier plein de jus de pomme. T'as toujours été un vrai génie technologiquement. Là, on a eu chaud. Le Pagix avait un virus et on a été à deux doigts de le perdre totalement. Ouais, mais tu l'as sauvé, Jeff. Il faut admettre qu'on a vécu des moments incroyables tous les deux. Ça me donne les larmes aux yeux. C'est pas grave, moi et tous les gadgets cassés ou en panne de ce monde devront apprendre à se passer de Jeff. De quoi tu parles? Est-ce que tu comptes démolir plein de choses l'année prochaine? Tu sais très bien que je peux pas faire autrement. Ça c'est vrai, Zach. Tu casses tout ce que tu touches. Et que vas-tu faire pour y remédier? Tu vas ignorer ma nullité technologique? Non. Il y a un pauvre gadget cassé qui a besoin de moi. Pourquoi restons-nous là sans rien faire? Nous avons du pain sur la planche. Heureux de te retrouver. Alors, où est ce Pagix sans panne? Quoi? Tu ne m'avais pas dit qu'il était en pièces détachées? J'ai fait de mon mieux. Tu parles de massacre. De son mieux. Un amateur qui se prend pour un professionnel. Je vois que t'as pas changé. Il faut croire qu'il fallait souder le fil vert, pas le rouge. Juste une légère modification et il devrait repartir pour un tour. Dépêche-toi! J'abandonne, j'ai bien trop honte! On perd du temps! Dépêche-toi de te montrer! Attends, tu es parfait, Eric! Le public va t'acclamer, tu vas être la star de la pièce! Ah, tu en es sûr? C'est une super opportunité de montrer ta musculature! Voilà, le tour est joué. Ton Pagix est réparé. Génial, je te remercie. Préparez-vous pour le compte à rebours. On dirait que c'est le réveillon du nouvel an, alors je crois que je vais filer. Tous mes vœux de bonheur à ta famille. À l'année prochaine. Attendez-moi. C'est le nouvel an. Si j'arrive à changer les choses, cette fête-là va réellement être la toute dernière de l'année. Ouais, il marche. Oh, alors comment sortir de cette histoire de vacances insensées ?
c'est ton tour. Texte. Ah, bonne année et meilleurs vœux, Eric. Merci, Rachel. Tous mes vœux. Ça marche pas, Jeff, tu ne l'as pas réparé, on est encore au même moment. Mes meilleurs vœux de bonheur. Je sens que ça va être une année géniale. Jeff, descends de là tout de suite. Oh, des choses fantastiques se préparent cette année, Zach. Si t'as envie de le croire, maman. Oh, mais que se passe-t-il, mon chéri? C'est la nouvelle année, tout est possible. On recommence à zéro, c'est le moment d'être optimiste. C'est à cause de toutes ces vacances, de toutes ces fêtes, l'une après l'autre. Demain, qu'est-ce qu'on fête? La journée des bergers montagnards? Ne sois pas ridicule, Zach. Demain, c'est une journée de classe. C'est vrai? Oh, voyons, Zach. Tu sais parfaitement que chaque jour de l'année n'est pas un jour de congé. Ouais! À vrai dire, d'après mon calendrier, chaque jour de l'année est un jour de classe, Zach. Oh! Quoi? Non, 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 ça ne va pas. Ça devrait être chaque jour n'est pas un jour de vacances. Pas chaque jour est un jour de classe. Beau travail, mon vieux. T'as un peu forcé le trait de ton dessin encore une fois. Waouh! Cette nouvelle méthode de classement va s'avérer super utile à l'école. Tous les jours pour le restant de nos jours. Non!